Bonsoir et bienvenue dans ce journal de la synergie des médias RPA Nzamba et Télévision Renaissance consacré au 19e anniversaire de l'accord d'Arusha signé le 28 août 2000 à Arusha en Tanzanie. Certes, l'accord d'Arusha a beaucoup servi pour le retour à la paix au Burundi, mais malheureusement aujourd'hui, cet accord a été foulé aux pieds. Dans ce journal, vous allez suivre les grands piliers de cet accord, son importance pour le Burundi et les conséquences néfastes sur la non-application de l'accord d'Arusha. Ce journal de la synergie des médias est présenté par Nadège Irakodze et Jean-Baptiste Biléha. La cabine technique, vous êtes avec Mestive Niungeko et Jide Mwemelo sur la page Facebook. Nous émettons depuis le studio de la RPA. Bonsoir et bienvenue. La recherche d'une solution négociée au conflit politico-ethnique du Burundi n'a pas été spontanée de la part des acteurs politiques du pays, qu'ils soient du gouvernement ou de l'opposition. Il a fallu que la crise atteigne des dimensions intenables et que des acteurs extérieurs s'en mêlent. Révérien Bazikamwe nous rappelle les faits. L'interminable chaîne de violences politico-ethniques déclenchée avec l'assassinat du prince Louis Gwagasore en 1962 a fini par amener les Burundais aux négociations de paix d'Arusha, tenues de 1998 à 2000. Les crises qu'avait connues le Burundi avant 1993 n'avaient jamais duré aussi longtemps que celles consécutives à l'assassinat du président Melchior Ndadaye. L'insécurité physique pour les populations avait poussé des centaines de milliers de Burundais sur le chemin d'exil et dans des camps de déplacés intérieurs. La ghettoisation ethnique des quartiers et collines du pays, l'instabilité gouvernementale, la paupérisation des Burundais, les interférences régionales et internationales de la crise ont usé le conflit inter-burundais sur la scène de crise régionale majeure. Le pays était installé dans une guerre civile jamais connue auparavant. Aucun camp ne pouvait sortir vainqueur. Les préoccupations des uns et des autres étaient toutes légitimes. L'étranglement économique par l'embargo régional et l'isolement politique des gouvernements sont venus au bout du refus du gouvernement de trouver une solution négociée. L'implication volontariste de l'ancien président Mwalimu Julius Kambarage Nyerere de la Tanzanie, suivie par celle des chefs d'État de la région ainsi que l'ensemble de la communauté internationale, combinée avec la rébellion armée du CNDD-FDD et du PAPUTU-FNL, qui ciblaient essentiellement les civils, ont fini par rendre les négociations inévitables. Celles-ci débuteront fermement en 1998 pour se clôturer par l'accord du 28 août 2001 sous l'égide du président sud-africain Nelson Mandela. Merci, Révérien Bazikamwe. L'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation comporte cinq grandes lignes. C'est ce que l'on appelle les protocoles, comme nous le détaille notre confrère Émile Nivasumba. La nature du conflit burundais, problème de génocide et d'exclusion et solution, c'est le titre du protocole 1 de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. C'est un protocole qui analyse les causes historiques du conflit burundais durant les périodes précoloniales, coloniales et postcoloniales. Dans ce protocole, les leaders burundais ont parcouru tous les problèmes qui ont marqué l'histoire du pays, sans rien cacher, selon certains signataires de l'accord. Pour résoudre certaines divergences, le protocole prévoit des commissions, comme la Commission nationale pour la vérité et la réconciliation et la Commission d'enquête judiciaire internationale sur le génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité. Un signataire de l'accord d'Arusha, Dr Alphonse Rugambarara, estime que le protocole 1 est le plus important de l'accord. C'est pour moi le protocole le plus important, mais c'est encore une fois le protocole qui n'a été appliqué dans aucun de ces articles. Aucun. Je dirais jusqu'à présent, parce que même ce qui a été appliqué comme la Commission Vérité et Réconciliation et d'autres organismes qui ont été mis en place avec le CNDD-FDD mais qui n'ont aucun réel contenu,
Il n'y a rien qui a été appliqué pour que les Burundis se réconcilient. Démocratie et bonne gouvernance, c'est comme cela qu'est intitulé le protocole 2. C'est un protocole qui parle de l'organisation institutionnelle pendant et après la transition, le processus électoral, l'organisation et le fonctionnement des corps de défense et de sécurité, les réformes judiciaires et administratives, les partis politiques, les droits des femmes et les quotas ethniques. Pour ne citer que cela, une grande partie de ce protocole est reprise dans la Constitution de 2005. Ensuite vient le protocole 3 qui concerne la paix et la sécurité pour tous. Ce protocole parle, entre autres, de la composition et mission des forces de défense et de sécurité et du service de renseignement, la cessation des hostilités et les arrangements visant à assurer le cessez-le-feu. Mais ce dernier point a été finalisé quelques années après la signature de l'accord avec la signature de cessez-le-feu entre le gouvernement et le CNDD-FDD, ensuite entre le gouvernement et le FNL Palipé-Hutu. Le protocole 4, lui, concerne la reconstruction et le développement. C'est un protocole lié à la réhabilitation et à la réinstallation des réfugiés et des sinistrés, à la reconstruction matérielle et politique, ainsi qu'au développement économique et social. Enfin, le protocole 5 concerne les garanties pour assurer l'application effective et intégrale de l'accord dans les meilleures conditions. Cette tâche a été confiée à la commission de suivi de l'application. La commission était chargée du suivi, du contrôle, de la supervision et de la coordination de l'application de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Merci Emile Nibasumba. L'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation a eu un impact positif au Burundi. Ce dernier a été remarquable sur le plan politico-sécuritaire et social. Malheureusement, cet impact va voler en éclats suite aux petits gloutons de Pierre Nkurunziza. Quelques aspects de cet impact avec Emmanuel Niyungeko. Sur le plan politique, des avancées notables ont été observées. La transition de 3 ans apaisée a abouti à la mise en place de la constitution de 2005 dans l'esprit de l'accord. C'est ainsi que des élections libres et transparentes ont été organisées, lesquelles élections ont été remportées par le parti CNDD-FDD, un ancien mouvement politique armé. C'est dans cet ordre d'idées qu'il y a d'ailleurs eu une grande ouverture de l'espace politique qui a abouti à la transformation des anciens partis politiques et mouvements armés et des partis politiques agréés. Enfin, il y a eu le partage du pouvoir au niveau des institutions, tant politiques qu'administratives, dans le respect des quotas ethniques tels que convenus dans l'accord. Sur le plan sécuritaire, la fin de la guerre civile et la stabilité du pays ont été le fruit de la réforme des corps de défense et de sécurité par l'intégration des mouvements et partis politiques armés au sein des institutions sécuritaires et la démobilisation des anciens combattants. Un processus qui prendra fin en 2009 avec l'intégration du dernier mouvement armé, le Front National de Libération, FNL en sigle. Sur le plan social, la mise en place de la Commission Nationale Terre et Autres et Biens, CNTB, va baisser des tensions dans le domaine des conflits fonciers par un règlement des litiges entre les résidents et les rapatriés et l'installation de certains rapatriés sans terre dans des domaines de l'État. Également, la liberté de mouvement sur tout le territoire national va être une réalité. L'ethnisme, autrefois érigé en mode de gouvernance et d'accès au pouvoir, va se dissiper pour laisser place à une compétition basée sur les idées et la compétence. En ce qui concerne la liberté d'association et celle d'expression, des avancées notables ont été enregistrées. Les partis politiques organisent librement des réunions sans l'ingérence du pouvoir. Les organisations de la société civile vont se multiplier et s'organisent librement. L'espace médiatique va avoir la naissance de nouveaux médias et la liberté d'expression est reconnue mondialement par l'ingéniosité des journalistes burundais dans l'organisation des synergies des médias. Malheureusement, tous ces résultats de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation vole en éclats dès les premières heures de l'année 2010. Avide du pouvoir et déterminé à enterrer les acquis de l'accord d'Arusha, Pierre Nkurunziza et son parti vont renouer avec les anciens démons du maquis et l'ethnisme. Il va pactiser avec les tristement célèbres forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, opérant en République démocratique du Congo, qui l'appuie avec des armes en provenance du Soudan et qui atterrissent à l'aéroport international de Bujumbura l'année précédente. Ce sont ces FDLR qui vont former la milice du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, laquelle milice va opérer des massacres des opposants depuis 2010. Parallèlement, le ministre de l'Intérieur procède à l'éclatement en aile des partis politiques et à l'ingérence dans la gestion de ces derniers.
Bref, c'était le début d'un processus de Pierre Nkurunziza d'enterrer définitivement l'accord d'Arusha, un processus qu'il achève en 2015 en briguant un troisième mandat contesté et qui le plonge le Burundi en une nouvelle crise politico-sécuritaire. Eh bien, le parti CNDD-FDD se réjouit de ce qu'il qualifie de la réussite de la mise en application des accords d'Arusha. Selon Nancy Linette Moutoni, porte-parole de ce parti, depuis la signature de cet accord, les Burundais vivent en harmonie. Suivez. 19 ans après la signature des accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation, nous nous réjouissons que ces accords d'importance historique ont été versés dans la constitution qui a été votée par le peuple par voie référendaire. Et nous réjouissons aussi que sa mise en œuvre effective a été effectuée par la gouvernance du parti CNDD-FDD. Nous citerons notamment la mise en place des diverses commissions prévues par ces accords. Et donc nous nous réjouissons aussi que ces commissions sont opérationnelles pour permettre mieux la réconciliation du peuple et bâtir un avenir commun et un avenir commun. Je sens aussi qu'après 19 ans, le peuple burundais est réconcilié avec lui-même et qu'il s'attelle au développement de sa nation et est déterminé à construire une nation prospère. Et puis aussi, nous nous réjouissons que 19 ans après, la conscience et l'esprit démocratique sont ancrés maintenant dans le quotidien des Burundais. Nous devons cet élément sonore à la radio Réma FM. La plus grande des violations de l'accord d'Arusha a été le troisième mandat illégal de Pierre Nkurunziza, où plusieurs aspects du partage du pouvoir ont été violés. C'est la lecture faite par le président du Forum pour la conscience et le développement, Foucault D. en sigle. Selon Pacific Ninina Hazgwe, cette violation a occasionné la mise en place des services de sécurité qui ne rassurent pas tous les Burundais. Pour Pacific Ninina Hazgwe, le risque probable est qu'il y ait formation des groupes armés qui essaieront d'arracher également le pouvoir par la force, car Pierre Nkurunziza détient également le pouvoir par la force. Suivez. L'accord d'Arusha essayait de résoudre deux problématiques extrêmement difficiles. Et c'est ainsi que l'accord d'Arusha a mis en place un certain nombre de mécanismes de partage du pouvoir, qu'il a défini clairement comment on accède à ce pouvoir et comment on le quitte par des voies démocratiques et comment aussi les libertés des Burundais sont garanties durant n'importe quel régime. Malheureusement, ces mécanismes ont été gravement violés depuis 2015, notamment avec le troisième mandat de Pierre Nkurunziza, parce qu'il était prévu qu'aucun président n'aura plus de deux mandats à la tête du pays. Il a aussi violé un certain nombre d'aspects de partage de pouvoir avec d'autres composantes ethnico-politiques. La deuxième problématique très importante de l'accord d'Arusha, c'est celle de la sécurité. Il fallait mettre en place des organes de sécurité qui rassurent tous les Burundais qui ne peuvent plus être un monopole d'une composante ethnique ou un monopole juste des dirigeants qui pourraient l'utiliser contre un groupe ethnique ou contre un groupe politique quelconque. Malheureusement, depuis 2015, personne ne peut garantir aujourd'hui que les quotas ethniques sont toujours respectés et garantis dans les corps de défense et de sécurité. Encore qu'un organe comme le Service national de renseignement a été aujourd'hui exclu par la nouvelle constitution de Nkurunziza du champ d'action de l'accord d'Arusha. Et d'ailleurs, depuis 2015, c'est un corps qui était devenu quasi mono-ethnique. En plus de cela, il y a le corps des Imbonerakure, ces miliciens Imbonerakure qui ont été formés militairement à Kiriba-Ondes, à l'est de la République démocratique du Congo, qui continuent à subir des entraînements paramilitaires dans le pays, qui sont signalés comme possédant des armes dans certains coins du pays. Alors, la conséquence de cette violation, c'est qu'encore une fois, nous risquons d'avoir des groupes de Burundais, des groupes politiques qui s'arment pour arracher le pouvoir par la force, du moment que celui qui le détient aussi par la force.
Pacifique Nazoué, le président du FOCODE, Forum pour la conscience et le développement. La rupture de l'équilibre au sein des corps de défense et de sécurité est une des grandes conséquences de l'échec de la mise en application effective des accords de paix d'Arusha. C'est du moins le point de vue du président du mouvement HALT au troisième mandat. Pour Vitan Chimilimana, le risque est la reprise des violences cycliques, comme c'était le cas avant ces accords. Suivez Vitan Chimilimana. Aujourd'hui, avec la violation de l'accord d'Arusha par le régime en place, et on assiste à la rupture de l'équilibre ethnique au sein des corps de défense et de sécurité, avec pour conséquence que la milice tend à remplacer ou à se substituer à une partie des corps de défense et de sécurité, ce qui lui permet de semer la terreur et d'intimider, de tuer, de torturer, de spolier, mais aussi on assiste également à une volonté de l'exécutif de s'accaparer du pouvoir en dépit des dispositions de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Si les choses perdurent, et cela pourra avoir pour conséquence que les crises cycliques qu'a connu le Burundi avant l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation vont encore une fois se produire, mais également au sein des corps de défense et de sécurité, on risque de retourner à un système de mono-ethnisation de l'armée, et ce qui mettra à risque, à un très haut risque, l'autre communauté minoritaire. C'était Vital Nshimilimana, président du mouvement HALT au troisième mandat. Avant de clore ce journal, nous vous proposons de suivre le commentaire de la synergie des médias présenté par Patrick Mitabaro. Des conflits naissent et se transforment, mais finissent toujours par trouver solution. Les Burundais en ont vécu bien d'expériences avec non seulement la gestion des conflits fonciers, mais également avec la résolution positive des conflits à caractère politique. L'histoire retiendra l'accord de paix d'Arusha pour la paix et la réconciliation du peuple burundais, conclu l'an 2000 sous la médiation d'une grande figure d'Afrique et prix Nobel de la paix Nelson Madiba Mandela. 19 ans plus tard, son héritage n'est plus un acquis pour les Burundais. L'accord avait pourtant posé les premiers jalons d'un peuple réconcilié, mais l'espoir n'a duré que le temps de la rosée. Hier, c'était des ghettos ethniques dans certaines cités du pays. Des divisions entre Hutus et Tutsis ont laissé des centaines de milliers de victimes. Toute la société burundaise était tout simplement criminalisée dans ce conflit qui n'a fini que se transformer pour prendre une autre tournure politique avec le régime actuel dirigé par Pierre Nkurunziza depuis bientôt 15 ans. Des initiatives de médiation par les États d'Afrique de l'Est ont été soldées par un échec cuisant qui est lourd de conséquences au cas où le pouvoir foncerait tout droit vers le statu quo en continuant de prendre une partie des Burundais en exil comme des ennemis de la nation ou des insurgés à abattre. Les pouvoirs qui se sont succédés au Burundi ont tous fait preuve d'un excès d'intolérance politique à l'endroit de ses opposants, qualifiés parfois de groupes tribalo-génocidaires ou même de terroristes, mais ils ont fini par se ressaisir pour accepter la table des négociations. Pierre Buyoya, qui avait les rênes du pouvoir à l'époque, aidé par les chefs d'État de la région et la communauté internationale, tous ont contribué à conclure des accords historiques de cessez-le-feu, permettant ainsi aux réfugiés burundais vivant en Tanzanie pour la plupart de rentrer au pays. Pierre Nkurunziza est arrivé au pouvoir grâce à ces accords, mais il a fallu qu'il se reconduise au troisième mandat en violation de cet accord d'Arusha pour replonger de nouveau le pays dans une profonde crise politique en 2015. Malheureusement, d'aucuns dira que les Burundais ont une mémoire courte, comme d'ailleurs l'a précisé Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, lui-même témoin de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation du peuple burundais. Les Burundais s'interrogent aujourd'hui quel intérêt aurait Pierre Nkurunziza de léguer à son successeur un pays classé parmi les derniers du monde dans presque tous les secteurs de la vie sociale, en Burundi meurtri par des violations graves des droits humains, la pauvreté et j'en passe. Pierre Nkurunziza aurait plutôt intérêt à remettre le pouvoir d'un Burundi réconcilié avec lui-même, un Burundi qui ne compte plus de réfugiés dans ses pays voisins, un Burundi qui ne pèse plus comme un fardeau aux épaules de la communauté internationale.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est par cette commentaire que nous mettons point final à ce journal de la Synergie des médias de la RPA, Radio Inzamba et Télévision Renaissance. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Nous vous souhaitons une excellente soirée chez vous. Au revoir.